Coucou Gwen, comment ça va? Coucou, ben ça va bien. Ça va bien, bon là on est à Roquencaine, on est à un jour Roquencaine, tout est prêt, tout est calé, t'es au taquet. On est au taquet. Oui, parce que du coup t'es chef de projet à Roquencaine, tu travailles directement avec François Missionnier que j'ai déjà pu rencontrer. Et on va parler d'un autre sujet, cette fois non pas de la programmation, non pas du festival, mais plutôt des avant-scènes. C'est un dispositif un peu particulier pour ce festival. Il consiste en quoi ce dispositif? Alors ça consiste à mettre en avant les jeunes talents, on va dire français, à Roquencaine, nos coups de cœur. Et c'est, l'idée c'est de favoriser l'émergence tout simplement et de montrer au public des artistes qui ont déjà un entourage professionnel, un manager, un tourneur, qui ont été repérés donc par le milieu et notamment par les journalistes. Donc pour eux c'est vraiment une sorte d'aboutissement avant de commencer autre chose dans leur, dans ouais, leur c'est, carrière. C'est une sorte de coup de pouce, mais plus gros qu'un coup de pouce pour pouvoir les faire jouer sur certainement la plus grosse scène qu'ils auraient jamais pu jouer auparavant. Ouais, c'est vrai que sur la scène de l'industrie où jouent les 6 avant-scènes dont on parlera tout à l'heure, il y a pas loin de 10 000 personnes, non peut-être pas 10 000, mais en tout cas il y en a bien 8 000 sur cette scène. Généralement c'est ça, ils ouvrent la scène mais effectivement il peut y avoir du monde. Ouais. Moi je me rappelle d'un meilleur match il y a 2 ans je crois, ouais, où il y avait effectivement beaucoup de monde parce que beaucoup de gens souhaitaient les voir et découvrir justement ce groupe qui faisait déjà beaucoup parler. Ouais. Donc on va parler justement de ces 6 sélectionnés parce que c'est, on va dire, est-ce que c'est les 6 principaux? Ils sont, alors, eux sont plus mis en avant que par l'Île-de-France, il y a une raison à ça ou pas? Alors ils ne sont pas plus mis en avant puisque tous les groupes bénéficient de la même, justement, du même éclairage dans notre Il y a un travail de com qui est identique à celui qui va être fait sur l'Hip-Hop, etc. Ouais, absolument. Donc ça c'est assez singulier. Après effectivement les avant-scènes jouent sur la scène Île-de-France, ils sont 6. Et puis tu as sur la scène Île-de-France 9 groupes. Qui sont eux exclusivement franciliens. Bon, qui sont ces 6 déjà? Parce que bon, les 9, il y en aura peut-être beaucoup, mais. Alors, les 6, on a en incursion hip-hop Tillerson. Ouais. Ensuite, en rock'n'roll, garage de Rennes, on a Caviar Spécial. Mm-hmm. Adrien Soleiman aussi. Tous les deux, c'est de la pop très mélancolique. Ouais, c'est ça. Adrien Soleiman. Et puis on a, j'en suis à combien tu m'as dit 5, il en manque 1. 5, il en manque 1. Ah non, il en manque 2, on en a 4. Théo Lorenz aussi, ouais, en songwriting. Et Maestro, je crois. Ah, et Maestro qui est venu jouer l'année dernière sur la scène Île-de-France justement, et qui vient jouer cette année sur la scène de l'industrie. Et ça fait aussi partie de notre travail, c'est-à-dire de suivre des artistes d'une année sur l'autre. D'accord. Par exemple, l'année dernière, on a Jeanne Haddad et Forever Pavot qui jouaient sur la scène de l'industrie. Et l'année d'avant, ils avaient joué sur la scène Île-de-France. Et pourquoi pas l'année suivante, pas cette année, mais l'année prochaine, sur une plus grande scène encore sur le festival. Ouais, ça a arrivé à de nombreux groupes français. Il y a des groupes qui vraiment ont explosé suite à ce passage sur les avant-scènes. Lilywood and the Prick, par exemple. Effectivement, ouais. Je me souviens qu'on avait vu leur premier concert, c'était à la Flèche d'Or. On a eu un coup de cœur phénoménal. Ils ont été programmés avant-scène. Et ils sont revenus plusieurs fois parce que le succès est toujours présent en fait. Comment se passe cette sélection? Qui c'est qui choisit? C'est des coups de cœur à chaque fois? Non, c'est pas que des coups de cœur, mais en tout cas on y croit. Et on est plusieurs, donc il y a François Missonnier qui est le directeur de Roquencène, moi-même, Nico Pratt qui est journaliste, ouais, qui est spécialisé donc sur les jeunes artistes. Et qui s'occupera aussi du MAG cette année, c'est une nouveauté par rapport au ouais, festival. Et qui nous permettra de suivre justement ces jeunes artistes tout au long de l'année. Ouais. Marion Gabaye aussi, qui elle est productrice de spectacles et qui représente un catalogue d'artistes, ouais, spécialisé elle aussi jeune talent. Et Pascal Stien qui est programmateur et directeur de la salle EMB à Sannois. D'accord. Et j'imagine que chacun propose ses artistes, ses coups de cœur, et après vous discutez, vous allez voir, et c'est de manière assez naturelle que vous sélectionnez ces 6 groupes, voire plus 9 ensuite. Alors c'est naturel, c'est professionnel aussi, parce que on reçoit les artistes qui vont être suivis et développés dans l'année de la part des tourneurs, de la part des labels. Après on connaît aussi les salles de concert, il y a des dispositifs aussi de repérage de jeunes artistes qu'on suit de près. On connaît les artistes aussi qui changent de projet. Et tout ça nous permet d'avoir une vision assez transversale et complète. Nous aussi on a nos spécialités après chacun. Certains sont plus hip-hop, d'autres rock garage, tu vois. Enfin, on a un peu tous nos goûts, ce qui permet de mélanger, on écoute. Et ensuite on se dessine, on va voir des groupes, on en écoute plus d'une centaine. Et puis on va voir des concerts, on a bien 70.
Et voilà. Et on affine et on arrive à une programmation de 6 groupes au niveau national et 9 au niveau francilien. Et justement, est-ce que c'est pas une grosse prise de risque pour Rock en Seine de programmer des artistes qui, comme tu dis, sont émergents, qui, alors je sais pas pour tous, mais en tout cas, par exemple, Adrien Soleiman, il a son premier album qui n'est même pas encore sorti, qui va sortir très prochainement, mais qui n'est pas sorti. Il y a une prise de risque pour Rock en Seine de programmer des artistes comme ça qui peuvent ne pas forcément plaire à un public, qui ne peuvent ne pas être forcément être prêts aussi sur une scène aussi grosse. Comment ça se passe, cette prise de risque? Alors, il y a deux choses. Il y a ce que tu dis, effectivement, c'est l'artistique, où là, c'est l'identité de Rock en Seine. On programme tous les groupes qui sont à Rock en Seine. C'est notre programmation. On ne délègue pas à une marque ou à qui que ce soit le fait de pouvoir présenter un groupe. Alors justement, entre parenthèses, la scène Presson Live, c'est vous qui faites la programmation et Presson Live en fait accueille vos artistes. Oui, c'est ça, c'est un partenaire, on est heureux de les avoir, mais on gère cette programmation. Ouais. Et puis après, il y a aussi ce que tu dis, le timing. Est-ce que c'est le bon moment pour un artiste de monter sur scène devant un public aussi large? Et c'est là où nous, on les voit sur scène, déjà. Donc on se rend compte aussi du charisme et de la préparation du groupe. Ouais, il y a un potentiel véritable. Parfois on adore, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est les discussions entre nous. Parfois on adore un artiste, mais sur scène, on trouve que ça ne le fait pas encore. Donc on en discute avec eux, on leur dit peut-être l'année prochaine, mais là ça nous paraît trop léger. L'idée c'est pas de les envoyer au casse-pipe non plus, ouais. et qu'ils se vautrent alors qu'il y a beaucoup de public, des journalistes, etc. Donc ça fait partie du travail aussi. Ok, très bien. Bon, en tout cas, on se retrouve pour Rock en Seine là, dès demain. Est-ce que au-delà de cette programmation avant scène, il y a un groupe ou un artiste que toi tu veux absolument pas rater, que tu nous recommandes? Il y a beaucoup de hip-hop cette année à Rock en Seine. Et je suis moi dans une phase très hip-hop. D'accord, donc c'est toi qui as choisi Killason sur les avant-scènes, j'imagine. Non, pas du tout. Non, ils cartonnent de toute façon. Mais il y en a pas mal à Rock en Seine. Je sais pas, il y a Little Sims, il y a Underachievers, Anderson Paak aussi. Ouais. J'ai trop envie de le voir. Voilà. Ok, bon, on va essayer de faire cette scène hip-hop à Rock en Seine. Ouais, il y a hip-hop, et puis surtout, il y en a quand même mes deux chouchous, les La Shadow Puppets. Ouais. Que j'ai vu à Europa Vox, à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Cette année? Ouais, cette année. Et c'était phénoménal. D'accord. Ils ont une classe monstre. Ok. Mm. Bon, moi j'irai voir Ginsu quand même et Sum 41. Okay. Bon, à demain en tout cas. Ciao. À demain, merci. Merci, Gwen. Ouais.